Rebonjour, soir, nuit, Twitch, salut YouTube, bienvenue sur Iverson Studio, toujours Jake, dans cette nuit de jeu vidéal, jeu vidéo. Je vous propose cette fois de passer sur Have a Nice Death, qui est sorti il y a quoi maintenant, 15 jours, quelque chose comme ça, sur Steam, qui est en Early Access, c'est un roguelite. Il est sorti le 8 mars, c'est édité par Gearbox, c'est développé par Magic Design Studio, et ce sont des Français qui sont de Montpellier. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un roguelite, un roguelite. Je vous parle de Rogue Legacy, je vous parle de Dead Cells, Neon Abyss, etc., etc. Tout ça, ce sont des roguelites, c'est-à-dire, pour avancer, il faut mourir, il faut recommencer. On gagne des bonus, et on peut aller petit à petit comme ça jusqu'à à la fin du jeu, à la fin de l'histoire. C'est, voilà. L'idée, c'est de mourir et de recommencer. Mais avec des niveaux, des mondes générés aléatoirement, sinon ce n'est pas drôle. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Dans ce jeu, vous voyez à l'écran une faucheuse, une mort avec sa tasse de café. On incarne la mort qui est directrice, qui est directeur, on ne sait pas, qui est donc à la tête d'une entreprise qui est Death Inc. Incorporation, quelque chose comme ça. Voilà, donc la mort à la tête de l'entreprise de la mort. Et c'est le bordel, c'est le gros bordel. Elle est, voilà, elle est à bout, elle est en burn-out. Elle en peut plus. Et il faut vraiment remettre de l'ordre pour remettre l'entreprise sur les flots, avant que l'équilibre des âmes ne soit compromis. Et pour ça, il va falloir faucher, et faucher, et faucher encore, jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose, tout simplement. Et il ne faut pas avoir peur de mourir, tout simplement, parce que dans ce jeu, il y a une vie après la mort, parce qu'on recommence, voilà. La mort ne peut pas mourir, en gros. Voilà, ça va être la morale de cette histoire. Bon, commençons. J'ai jamais lancé le jeu, je vous le dis, c'est une découverte totale. Par contre, le 100 FPS, je suis pas du tout d'accord. Qu'est-ce qu'il arrive à mon PC? Non, non, il faut limiter, hein. Ça va laguer, hein. Je préviens, ça va laguer. Faites le boulot à ma place. Bienvenue en enfer. Oh la paperasse. Quelle horreur. Surmenage en entreprise. Bon, on a le pitch du jeu, on voit un peu ce qui s'est passé et on voit un peu ce qu'il va falloir faire. Maintenant, la question c'est comment, avec quel pouvoir, dans quelles conditions, dans quel monde, dans quel niveau. On va bien voir ça. Chargement sur 20. Mais c'est mon PC ça. Et peut-être un peu le jeu, mais il a un accès anticipé, on peut pas lui en vouloir.
On a l'impression qu'avec cet effet de lumière, c'est un ascenseur. Je sais pas si ce que vous en pensez. Alors, est-ce que ça lag ou pas? Ça a pas l'air. Donc j'ai un grimoire qui me suit, très bien. Là je me déplace. J'ai l'impression qu'en haut on a une barre de vie, une barre de mana peut-être. À droite, nombre d'âmes collectées. En dessous je vois pas trop ce que c'est, peut-être le numéro d'étage. Oh là, j'ai freeze. Ok, c'est bon. Ça c'est sauté. Taper. Dasher. Et après, je sais pas tout ce que c'est. Il n'y a rien de ce côté, ok. Oh, une carte. Nous avons une carte, d'accord. On peut zoomer sur la carte. Local technique. La faux, excellente pour couper les coupes. Excellente pour les coupes franches, même dans les business plans. D'accord. Donc ça, c'est une arme, je vais supposer. Malédiction, ça va être un arbre de talent avec des bonus et des malus qu'on va peut-être pouvoir choisir. Alors, guide de l'employé, ok. Ça, c'est le tuto. Arme funèbre, d'accord. Donc là, il y a beaucoup d'armes. La faux, la mort ne va pas sans la faux et la faux ne peut quitter la mort. Elle est l'incarnation du bras armé de la mort, tout comme la mort est seule maîtresse et puissance capable de la maîtriser. C'est une arme de légende qui fend le temps, l'espace et les éléments. On l'a dit capable de déchaîner les plus infâmes miasmes, d'appeler la foudre et même de servir un café bien noir au grain de copie luwak d'un simple claquement de doigts squelettiques. La cape au commencement et pour certaines temporalités à la fin des temps, la mort revêt le noir vêtement, le manteau, ou comme on l'appelle dans certaines régions du monde, l'habit qui ne fait pas le moine car un moine qui tue des gens, c'est quand même bizarre. La cape lui confère la capacité de se métamorphoser à peu près tout et n'importe quoi, même si elle a un faible pour les choses qui font peur et de se rendre invisible. Pitbook, le bouquin. Pitbull, Pitbook, jeu de mots. Codex de l'entreprise, le toutou. Tiens, du cœur. Ah, petite. Le OE collé, petit souci dans la police d'écriture. Le toutou du corps, du cœur. Le codex fut titré de nombreuses manières. Livre des portes, livre du vide, récit du dernier cheminement. Le livre est très facétieux, il n'est pas surprenant de lire dans sa deuxième de couverture. Le top 100 des morts les plus débiles, ou bien la mort, la personne pardon, qui lit ceci va mourir sous peu, ce n'est pas une blague. Okay. Les lieux. Pour l'instant, il y a 1, 2, 3, 6, 8 lieux. Nous sommes actuellement à Death Incorporated, donc l'entreprise. La mort a longuement travaillé seule, sans le moindre endroit où se reposer à l'époque. Elle ne tenait même pas d'agenda pour comptabiliser ses victimes. C'était une période aventureuse, où la limite entre la passion et le métier était très tenue. Ténue. La donne a changé lorsque la mort a rencontré Jacques et qu'ils avaient besoin d'un local où entreposer sa colossale forge. Puis il a fallu déléguer avec du petit personnel spectral, exploitant le pouvoir de la cape. L'entreprise s'établit dès lors dans la crypte d'une cathédrale abandonnée, quelque part en Europe. Ok. Dans les options. J'ai enlevé la V5, résolution, ok, divers, tout ça, le reste on touche pas. Malédiction, on peut voir ou pas? Non, on est là. Ok. On reprend le jeu. C'est quoi ça? Je peux pas y aller là. D'accord. Donc là, on a des ascenseurs, mais je ne peux pas y aller. Ascenseur employé, ça c'est mon ascenseur personnel. Patrice. On ne fait pas n'importe quoi, figurez-vous. La procédure est bien rodée. Tout ce que vous devez faire, c'est... Oh, monsieur le président, directeur général. Vous arrivez pile au bon moment. Panique à bord, Brad a décidé de laisser passer toutes les âmes sans les contrôler. Tous les services sont débordés, je suis débordé, bref. Essayez d'en toucher un mot à vos associés, les fléaux responsables de ce chaos. Bon retour, monsieur le président directeur général, et have a nice day. Donc on a un mémo sur Patrice. Si j'arrive à trouver. Ah, Patrice. Dans les employés. Patrice est le standardiste. Patrice Loubardas a été victime d'une très mauvaise plaisanterie dans l'entreprise où il travaillait de son vivant. Myope comme une taupe, on lui déroba ses lunettes pour rigoler. Le pauvre Patrice s'est trompé dans le temps de cuisson de son plat préparé à la cantine. Il avait bien percé l'opercule avec une fourchette, mais il ne s'est pas rendu compte que le four à micro-ondes était en fait un four à fusion nucléaire. Ah oui, d'accord, le porc. En effet.
Arlette. Boss, alors prêt à faire le ménage dans Death Inc. Allez pas vous faire un claquage d'entrée de jeu. Soupir. Prêt pour l'échauffement? Je veux entendre les os craquer. Voilà. Je peux craquer la mâchoire aussi. Sauter, ok. Ah, bien, je peux m'accrocher aux parois. Parfait. J'ai perdu mon tuto, là. Appuyer sur RT pour faire une ruée. Donc ça, c'est un dash. Ah oui, il m'entraîne vraiment, il est passionné. Qu'est-ce qu'il dit? Un squat sauté? Ouais, c'est un ascenseur, quoi. Claude Isco, il a raté son pot de départ. X pour attaquer. Sachant que je suis à la manette PC, donc Xbox, Xbox PC, c'est pas la même manette que Nintendo, j'ai un peu de mal. Ah, faut le taper, taper? C'est une boule disco. Mon dieu, pardon! Alors, musicalement, je crois que c'est une petite référence à Rayman 3. Et si je dis pas de bêtises, dans l'équipe de développement, il y a des anciens de chez Ubisoft qui ont bossé sur les Rayman, justement. J'adore ce personnage. Alors, est-ce qu'on peut voir les autres choses? Attaque alternative. Utiliser le joystick et X pour accomplir d'autres attaques. L plus Y. Pour la cape, ok. Une attaque chargée, X enfoncé. D'accord. X, RT pour une attaque de ruée. On va essayer. LX, LY, X, RT. D'accord. Ok. X. Donc on a dit Y. Ouais. On verra beaucoup de choses au fur et à mesure. L plus A pour traverser la plateforme. Bon, ça jusque là c'est du roguelite classique. Faut classer ce truc. Un Beam Mjolnir RB. Une cape. Mais j'ai pas compris comment utiliser la cape. Utiliser A pour traverser, jusque là ça va. BM Yolnir. On passe souvent de mauvaises journées au travail, la mort. La première des tests que l'on prenne pour une imbécile. Maurice BM Motin par exemple était un bon cadre attaché au service courrier, mais il avait la fâcheuse tendance à pousser le bouchon un peu loin, Maurice. Référence. Dès qu'un collègue parlait un peu fort plutôt qu'un banal hey machin, baisse le son, ça. Il allait directement lui donner un coup de boule. Quelqu'un mais qui maîtrisait le langage du corps. Ok. Alors. Local technique. Ça. C'est juste Y. C'est ça? J'ai l'impression, en tout cas. Comment on revient en arrière? Comme ça. Oh, d'accord. Mais je peux pas l'utiliser quand je veux. Il y a un temps de recharge. Ah oui, temps de rechargement. Ok, je vois. D'accord. Ok. Une réunion sauvage. Attendez. Attendez, attendez, attendez. J'ai pas tout compris. Maintenez LT. Ça, c'est un burn-out. D'accord. Maintenez LT et appuyez sur X. Qu'est-ce que c'est que ce souk? Ouais bon, en gros c'est enchaîner les attaques quoi.
Qu'est-ce que c'est? D'accord, devise. Alors, il va y avoir beaucoup de lectures au début. Fury, maintenez LT et appuyez sur un bouton d'attaque. En frappant, d'accord, jauge de frénésie, tout ça. Jusque là, ça va. Un fantôme. Ça, c'est... Ah d'accord, donc ça, ce sont les ennemis. Donc, au sein de la hiérarchie entrepreneuriale de Death Inc., les fantômes sont au plus bas de l'échelon des employés. On les appelle ces sbires. On appelle ces sbires plus communément des intérimors, intérimaires, qui, comme leurs congénères créés par les fléaux, ne sont pas soumis à la convention collective des travailleurs non vivants de Death Inc. Pourquoi sont-ils là, dans ce cas, pour faire du chiffre dans tous les départements, d'accord? Bon, soit. Très bien. Par contre, j'aurais aimé une option qui limite les FPS, en vrai. Pour que moi, parce que j'ai l'impression que ça lagouille un poil. Et j'aurais aimé que ça lague moins de mon côté, et donc du côté du stream. Développeur, si vous êtes par là. Oh punaise, attendez, vous avez des blessures. Qu'est-ce qu'il dit? Appuyez sur LB pour vous soigner. Ça consomme une anima, d'accord. D'accord, j'ai 3 points d'anima. Ok. D'accord. Il va falloir que je me souvienne du tuto par contre. Hein. Alors, Arlette, coach d'entreprise. Arrière au cube, petite cousine au deuxième degré de la mort, Arlette pouvait embrasser une carrière similaire, mais elle a préféré tenter l'édition des Jeux Olympiques de l'extrême de 2098 avant de trépasser dans un dramatique accident de lancer du javelot en deltaplane. D'accord. Ça, ce sont des comment on appelle ça? C'est pour s'isoler, pour travailler, soit faire des réunions, des petites réunions en petits comités, soit pour s'isoler et travailler au calme. C'est de plus en plus répandu, ça. D'accord, ça faut taper. Ça faut taper. Pyrofantôme, ok. On va pas lire tous les ennemis, parce que je crois qu'il va y en avoir beaucoup. On fera après. Ah, je suis obligé de passer par là-haut, ok. Maintenant je peux attaquer par des grimoires. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Il a de la vie lui. Oh, punaise, mais je prends cher. C'était un Fantomax. Ok, un livre volant. Je ne sais pas s'il y a des zones secrètes. En tout cas, les décors sont... Il y a pas mal de choses dans le décor. Tout chouette. Donc ça, faut monter. Ok. Ah. Mini boss. J'ai crevé. Voilà, je suis mort. Burnout. Première mort. Ok, j'ai tué 21 ennemis. J'ai... Soulari, je sais pas trop ce que c'est encore. Bilan de performance 22. J'ai 10 lingots. On attend. Allô, le jeu. Quand tu veux, le jeu. Le jeu qui réfléchit. Le jeu qui me laisse en écran noir. Allô. Quand même. Waouh.
D'accord, je reviens sur mon bureau. Carte non disponible, c'est pas grave. Alors, c'est la mort, c'est moi-même. La mort est là depuis la nuit des temps, tout a commencé avec une petite affaire familiale, elle fauchait tranquillement, âme après âme, en suivant les règles d'artisanat, blablabla. Ennemi, alors, on a le livre volant. On a le pyrofantôme. Fantomax. Donc lui, c'est déjà un N plus 1, ok. Fantomax, référence Fantomas, je pense. Est-ce que j'ai pas des points à placer quelque part? Pas pour le moment. J'ai perdu mon arme, mince. Bureau d'Eric Toray, mémo, génial. Là où tout finit par s'achever, c'est le petit nom par lequel les employés de Death Inc. appellent le bureau du PDG, malgré les innombrables étapes complexes par lesquelles les âmes clientes de l'entreprise doivent passer pour un trépas agréable. La décision finale appartient toujours à la mort, elle doit donner son accord approuvant la damnation de son sceau ensorcelé, avec une petite phrase solennelle dont elle seule a la formule. Mais depuis peu, la lassitude a infléchi le protocole habituel. Qu'est-ce que c'est ? D'accord, je ne sais pas ce que c'est. Pumpkin! Patron, ça fait tellement de plaisir de vous revoir. Vous avez récupéré vos pitbooks, votre... Et il est vraiment trop pipou! Il est trop pipou! Vous saviez que Pitbook note tout pour vous? Vous n'avez qu'à appuyer sur ce bouton et le tour est joué. Il est vraiment trop mimi, mais j'aime pas trop quand il m'observe comme ça. Alors Pumpkin, c'est une stagiaire... Hop là, pardon. C'est une stagiaire de l'école sépulcrale de la gestion éternelle des vanités. Alors, Pumpkin a tenu dur comme fer à conclure son cursus avec un stage chez Death Inc. Avec de la détermination et beaucoup d'insistance, elle a obtenu de gérer l'agenda de la mort en personne. Ok. Alors, qu'est-ce donc ? Qu'est-ce donc que tout ça ? Ça, c'est ce que j'ai débloqué. Je peux pas... Ok, je peux pas taper, voilà, je les récupère pas. Là, on est sur un système à la Dead Cells. Dead Cells, même. Ça, c'est... Il y a tout ça... pour le moment, il y a que ça. En vrai, on a l'impression que c'est beaucoup, mais en vrai, c'est pas énorme. Bien sûr, ça va énormément se compléter au fur et à mesure du développement. Donc, on a quand même débloqué certaines choses. D'accord. Ensuite. Bonjour. C'est Régis. Il porte bien son nom, je pense. Bonjour, bonsoir, c'est pas grave, on s'en fiche. Les fléaux sont déchaînés, les quotas explosent, je vous passe les détails, vous avez quelques lingots à écouler? Oui. Faisons vite, 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 sinon je repasse l'arme à gauche, sinon vous, la famille, ça va, tout ça? Oh punaise. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des pouvoirs, ce sont des armes? Équipement, donc ce sont des armes. J'ai combien, moi? J'ai 10 lingots. Je peux rien acheter. Ça, ça perce. Je peux vraiment rien acheter, quoi. Il y a beaucoup de choses. Atteindre la fin. D'accord. Ah, attendez, mais je... Il y a des choses que je peux débloquer, peut-être... On repart. Tuer 22 ennemis. Alors là, je suis... Donc, tuer 50 ennemis. Je pourrais peut-être avoir ça. En réduction. D'accord. Plus... D'accord. D'accord. Ok, j'ai compris. En fonction de ce qu'on nous demande de faire, on peut avoir une grosse réduction de prix sur les armes. Ok. Tuer des ennemis. Tuer des ennemis. Tuer des tanagères. Tana... de la mort, Thanatopracteur. Tornag, obtenir des Soulari, des âmes. Tuer des fléaux. Fléaux, ça doit être des ennemis un peu plus puissants, peut-être des boss ou des mini-boss. Kufuro, tuer des ennemis avec la faux. Infliger 500 dégâts en une seule attaque. Ouais, bah alors là, c'est pas près d'arriver. Tuer des ennemis avec une arme de type marteau. Ok. Tuer 3 Georges Goudron. Goudron. Ça, ça doit être un boss. Explosion, tuer des ozos, donc un boss. Arnaud coulant, ça doit être un boss. Tuer des ennemis avec des flèches feu. Tuer Brad, avec la cape. Ah, la cape, j'ai pas compris comment l'utiliser encore. Atteindre, ah, donc là on est sur des zones. Atteindre le département de la guerre moderne. Donc là, ce sera un autre niveau. Tuer des fantômes. Département des maladies physiques, génial. Tuer Max.
Zucchieri, Infirmion. Infliger des dégâts. Et on aura des abeilles. Cool, je veux des abeilles. 100 000 de dégâts. J'ai infligé que 22? D'accord. 100% écolo est terriblement agaçante. Moustiquopathe. D'accord. King Denzel, King Deng. Là, c'est département des addictions. Atteindre la faim. Atteindre le département de la pollution industrielle. Et un truc caché. Ok, il y a du boulot. Hein. C'est là qu'il faut investir. Donc ça, c'est... Le régisseur. Bah oui, régisseur. Bah oui, mais je suis bête. Bien sûr, j'avais fait le même jeu de mots il y a par le passé. Chaque exploration de l'entreprise vous octroie des bonus suivant vos performances que vous pouvez consulter sur votre bilan des scores. Vous obtenez de précieux lingots pour investir chez Régis. Ok, pour déverrouiller des armes, des denrées, etc. Alors, Soulari, c'est quoi? Le Soulari, c'est utilisé comme monnaie. Dépensez votre Soulari chez Marcel au magasin pour obtenir des objets de soins, des armes, des sorts supplémentaires ou bien au local technique pour améliorer de l'équipement avec Jacques Herville. Ok. Régis. Voilà, lui, il est accro au café. À force de demander un café de plus en plus serré, Régis est étranglé avec un canard. Ok, d'accord. Non pas l'animal, mais le sucre qu'il avait fait. Alors, si vous connaissez pas ça, le canard, c'est tremper vraiment le sucre. Alors, on laisse tremper le sucre à peine. On effleure la surface du café avec le sucre. Et on laisse le café monter dans le sucre. C'est ça, un canard. Incapable de poser son regard sur quelque chose pendant plus d'une seconde, il a confondu le sucre habituel avec un bouillon cube. Ne faites pas ça chez vous. Ok. J'aime bien le style graphique. Il va y avoir d'autres personnes par la suite ici. C'est l'heure du chargement. Hein. Ah, la musique d'ascenseur. Rez-de-chaussée. Allez. Un prismium, c'est un passe-droit. Quand tu l'as, tu peux l'échanger contre n'importe quoi, d'accord. Tu trouves pas le paradis du chez Marcel, ton mari, tu permets de grandir mal, d'accord, je vais voir jamais. Après, tu es. Ok. Ça défile un peu vite, mais c'est bon, ça va, on arrive à lire. On va essayer d'être un peu plus prudent. Hop hop hop, on descend. C'est quoi ça? Une pilule. Bon, jusque là on est sur un roguelite classique. Hein. Je sais pas à quoi ça sert. J'ai pas l'impression que ça me fait énormément de dégâts les mains qui sortent du sol. Prochain étage. Service Vitam Mana. Service Soulari Prismium. Étage hasardeux. J'ai fait la zone très rapidement. C'est bizarre. Qu'est-ce que je choisis? Le hasard? Le prismium? Toute la dame, elle a parlé du prismium. On va aller voir le prismium. On verra bien.
Ok. Est-ce qu'on a des choses dans le guide? Pour l'instant, non. Il n'y a rien de nouveau. Ok. Souvent, il y a des choses cachées dans les roguelites. Ah! C'est parti! Danger! Danger! Je sais plus utiliser le bouton. Je prends cher. Je prends beaucoup cher. C'est bon? Aïe! Je veux utiliser un pouvoir! Je peux pas! Comment je fais? Pas comme ça. Pas comme ça. Le pouvoir de la mort qui tue, je l'ai pas? Oh là là. Et c'est fini. Ok. J'avais pas l'arme, le pouvoir de la mort qui tue, c'est pas grave. Tant pis. Le retour au départ est quand même long, je trouve. Mais ça vient de mon PC. Et des FPS. Faut vraiment avoir une option pour limiter les FPS par contre. Ça... Y'a rien là. Alors... Pour mon rapport de stage, je suis en train de faire un schéma du puits des âmes, là, derrière moi. Donc, dès que le grand patron, vous, valide un dossier, l'âme correspondante peut être aspirée dans le puits. Ça doit chatouiller. Lorsqu'elle arrive dans l'au-delà, le système peut redispatcher son essence sous forme de Soulari pour les employés de D5. Patrice m'a dit de rajouter des petites étoiles pour bien montrer que c'est magique. D'accord. J'ai rien. Je peux rien acheter pour le moment. Ah, snack, j'avais pas vu, pardon, tout à l'heure. Vieille croûte de pizza. Donc ça, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est permanent? C'est... j'ai pas l'impression que ce soit permanent. Je sais pas. On verra après. Ok. On repart. Ah. Hello Paltou. La forme, oui bien sûr t'as la forme. Oui, have a nice day, c'est bonne journée, bisous. D'accord. Oula, hé, hello, je suis devant toi. Ah oui, désolé. Arlette, avec la fatigue de ce matin, du matin, je t'avais prise pour une cliente. Je sais que c'est pas contagieux, mais je t'avoue que voir le président directeur général dans cet état, c'est un peu déprimant. Je suis à côté. Hein. C'est pour ça que ce midi, muscu, exercice d'équilibre. Je vais te montrer comment le mettre KO, le burn-out, moi. Allez, go. Attention au bouquin. Voilà. Il me lance des avions en papier, le bouquin. Ok. Thank you.
sais pas si c'est un pouvoir ce que j'ai là, mais... Aïe. Ok, j'ai un peu du mal encore sur les contrôles, je le reconnais. Ah, punaise, je l'ai pris quoi. Je suis allé droit devant. J'ai l'impression que c'est un bonus temporaire. Je sais pas qu'est-ce que... Je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Allez. Étage hasardeux, Vitam. Bon, on va faire le Vitam. Il n'y a plus le prisme. Dommage. Ok. Hop hop hop, il y a un grand. Ah, oh, il fait super mal. Faut vraiment que je l'enchaîne en fait. Oh! Comment il m'a touché? Qu'est-ce que c'est? Des lingots. Oh punaise. Ça recommence. Saute! Ok, je vais mourir. Saute! Ok. Et d'un, je suis mort. Ah, c'est super difficile. Après, c'est le principe du roguelite. Au début, on recommence beaucoup, beaucoup, beaucoup. Scène de dialogue. Le personnage me fait penser un petit peu à la petite mort, la bande dessinée de David Mourier, si vous connaissez pas. Oh patron, vous revoilà. J'ai Arlette m'a rappelé d'être super disponible avec vous parce que vous faites un burn-out et c'est très difficile. Ça peut même être dangereux, elle m'a dit. Enfin moi, vous savez, je peux le préparer avec vous si vous voulez. J'ai pris des cours de cuisine. Donc ne vous inquiétez pas, même si c'est difficile un burn-out, je veux bien découvrir une nouvelle recette exotique avec vous. C'est pas grave, on t'en veut pas. Est-ce que je peux partir sans mon bouquin? On va voir. Ah, il m'a suivi. Le bouquin m'a suivi. D'accord, donc je peux tracer en fait. Alors, je peux avoir une nouvelle arme pour un cristal. Enfin, un lingot. J'achète. Et après, on verra. Alors. Bah. C'est pas un peu. Ok, j'ai besoin du tuto là. C'est quoi que je viens d'acheter? J'ai pas compris.
J'ai pas compris. Ou alors je fais plus de dégâts peut-être. Bon, on va voir. Ok. Alors, elle transpire du bout des doigts, d'accord. Très bien. Merci du détail. Si j'ai l'impression que par contre, si c'est un pouvoir, je tape plus fort. J'ai l'impression que ma foi est violette. On va bien voir de toute façon. En vrai, j'en sais rien. C'est rien du tout en vrai. Je sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai acheté. Hop 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 hop, qu'est-ce que c'est que ça? C'est gentil, c'est méchant? C'est gentil. Bonjour. M.A. Dumollard. Ah monsieur, vous êtes enfin décidé à vous lever de votre siège. Avec ou sans vous, Dessin continue de tourner. Je vous épargne mes commentaires sur la question. Les fléaux ne vous ont pas attendu pour faire du zèle. Nous avons du pain sur la planche. Les malédictions, par exemple, si vous vous rappelez. Molester un employé coûte de l'argent à l'entreprise. Les sbires aussi, soit dit en passant. Les malédictions peuvent pallier à cela, regardez. Ah! Donc là, on est vraiment sur un truc à la Dead Cells, mais avec un plein écran pour savoir ce qu'on choisit. Alors, j'ai choisi un bonus. Rester au-dessus du lot. Les attaques aériennes de la faux et de la cape infligent 35% de dégâts supplémentaires. Surexcité, ça réinitialise le temps de recharge de la ruée. Frénésie se remplit de 50% en consommant une anima. Non, on va prendre ça. Un choix pour le moyen saugrenu. Alors, malédiction. Les malédictions vous offrent des avantages passifs, des capacités qui influent sur votre style de jeu. Elles sont classées par un indice de rareté par couleur rouge, vert et bleu. Vous spécialisez dans une seule couleur de malédiction, comme varié, a une répercussion significative sur votre bilan de score. Là, on est exactement comme sur Dead Cells. Attention, certaines malédictions sont assorties d'un malus, une contrepartie à payer en échange d'une bonne capacité. D'accord. En se soigner d'ailleurs, parce que je l'ai jamais fait en fait. C'est LB, d'accord. Soigner c'est LB, faut que j'y pense. Alors, Monsieur A. Dumollard. Monsieur A. Dumollard, c'est l'inspecteur du travail. Anton Dumollard. Anton, d'accord. N'a jamais esquissé un seul sourire de toute sa vie. Alors ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Enfin si, ça lui arrive de sourire, mais c'est uniquement dans ces rares moments où son cynisme naturel rejoint l'ironie d'une situation bien mordante. Comme lorsqu'un collègue, se retrouve bloqué pendant plusieurs jours dans la salle des photocopieuses. D'accord. Très bien. Wow! D'accord. Ok, le bouquin c'est fait. Alors, on va soit au bureau de Dumollard,
soit au stock d'équipement, soit étage hasardeux. On va voir le du Molar, vu qu'on vient de lui parler. Ascenseur sur 20. Ok. Oh là, il y a eu un coup de lag là. Je sais pas si ça fait des dégâts ça. Ah! Par contre, les bouquins là. Ok, j'ai crevé. C'est comment la frénésie? Alors attendez, frénésie. Pas ça. Didacticiel. Fury. Maintenez LT. Ah, c'est LT, punaise. C'est bon. Ok, je suis mort. J'ai pas eu le temps. Je suis pas bon. Hein. Je suis vraiment pas bon. Ça, c'est vraiment long, par contre. Patron, patron, patron! Oui. Chambol a dit à Ranu qui lui a répété ce que Lucienne voulait vous transmettre à propos du circulaire market. Je dois vite dire blablabla, j'ai rien compris. Je peux rien acheter. Allez, go. Alors, peut-être le mana, mais sans conviction.
prend des dégâts sur ça. Oui, on prend des dégâts, d'accord, ok. Qu'est-ce que c'est? C'était quoi ça? Je sais pas. Chambre forte ou le bureau? Oh, chambre forte. Où le stock d'équipement? On va voir le stock d'équipement peut-être. On va venir peut-être le bureau ressources humaines, enfin ressources inhumaines. On y retournera plus tard. Allez, ça commence. Toujours les deux mêmes. Il va falloir les battre un jour ou l'autre. Allez, les dégâts. Ok. Non! Je l'ai eu! Je l'ai eu! Qu'est-ce que c'est? Alors, faut que je me heal. C'est pas ce bouton. D'accord. Si, c'est ce bouton, mais j'ai rien à heal. Ça, c'est quoi ça? C'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est quoi? D'accord. Myriade stellaire. Par convention, tous les sorts impliquant des subtilités liées aux forces cosmiques possèdent le suffixe stellaire. La myriade a été prototypée pendant l'Antiquité à la racine du mont Silène. Ce rituel se destinait à faciliter l'observation des étoiles, mais suite à un problème technique, les manifestations étoilées se révélèrent être de parfaits projectiles pour le combat. Donc je peux changer mes armes? Oh! Oh! Intéressant! Ah, par contre, j'ai pris des dégâts pour rien. Ça lag un peu quand même. D'accord, pratique. Alors les petits, vaut mieux que je les ai à la faux. Allez, de nouveau. Aïe. Vite, le bouton. Parfait. Ou pas. Non. Ah, c'est dommage. Mais j'ai un peu avancé. Un peu, un petit peu. Ah là. Toujours aussi long. Alors qu'est-ce qu'elle veut? J'ai imprimé tous vos mails et je les ai triés par nombre de caractères. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Alors, j'ai 34 lingots. Ce serait dommage de dépenser les... Un bel outil pour faire des grosses coupes budgétaires. Ce serait dommage de les dépenser là quand même. Allez.
Ok, c'est reparti. D'accord. J'ai toute ma vie, il faut pas que je le prenne maintenant. Le retour map est un peu long aussi. Le stock d'équipement, c'est assez... Bah, on vient de le faire en vrai, mais j'avais bien aimé. Direction l'étage hasardeux. Ok. Oh le petit lag. Oh là, doucement, on se calme. Ok, le bouquin c'est fait. Il y en a un là-haut. Ah, il y a une arme. La flèche feu. Ok. Intéressant. Oh là là. Ah, punaise, les dégâts pour rien. Je suis en pleine animation, les dégâts gratuits. Là, c'était nul. Colère stellaire. Donc maintenant j'ai deux autres armes. Donc je peux faire ça. Ok, ça me va. Qu'est-ce que c'est? C'est de la vie? Ça c'est du lag. C'est quoi ça? Prismium? Oh! Le Prismium. Ce sont des bons de vacances convoités extrêmement précieux. Le Prismium vous permet d'obtenir une amélioration ou une transformation locale technique sans avoir à dépenser de Soulari. Vous pouvez également investir un Prismium au Monéco dans le magasin pour l'améliorer. Ok. Non, ça. Le bureau ou la chambre forte? Direction le bureau.
Et c'est une petite zone en supplément par rapport à tout à l'heure. On a un poil avancé encore une fois. Il va y avoir du boss là. Oh oui. Ok d'accord, on se calme. Mais c'est cher. Bon, je lui mets un peu cher aussi, j'ai l'impression. Raté. Cassos. Allez! Je suis mort. Je crois que je lui ai mis 60. Ouais, je lui ai peut-être enlevé 30% ou 40%, je crois. Il a pas l'air compliqué comme boss. Faut juste que je sois un peu plus attentif. Et que mes réflexes se bougent les fesses. Ça, c'est plus compliqué déjà. Allez, quand tu veux. Patron, qu'est-ce qu'elle veut? Il y a une cascade de multiprises au local technique. Je les ai décrochées et je les ai rangées par longueur. Ça, c'est mieux que d'imprimer l'email. Oh punaise, je suis à 127 sur 150. Ok. Je peux pas changer mes armes? Dans le local technique, il faut que je change les armes en fait. D'accord. Je vais essayer de retenir. Allez, go. Elle a fait deux cures de Death Tox pendant deux semaines. Je déconseille. Ça allait, je le livrais à. Tu m'étonnes. Aïe. Quoi ça? Oh, des soulari beaucoup. Le service ou la chambre forte? Ça, on l'a fait tout à l'heure en tout premier. Direction la chambre forte. On n'a pas encore fait la chambre forte. Oh punaise. Oh là là, il m'aimait tellement cher celui-là.
Ah, c'est parti. Ah, je meurs. Mais ça repop de partout, hein. Ok. C'était tendu. Oui, je prends. Qu'est-ce que c'est que ça? Relance de malédiction. Vous permet de changer les choix. Ok. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah si, ça up la furie ou la frénésie. C'est ça la chambre forte? Bah on va voir le bureau du Tana. Le bureau, c'est ce qu'on vient de faire. Hein. Il y avait le boss. Et le boss, il nous a démonté. J'ai pas beaucoup de pouvoir. Go service Vitamana. Ok. Allez, c'est bon, c'est fini. Voilà. Ah non, pas encore. Ah, par contre. C'est fini. Ok. Donnez-moi de la vie. Oui. Mais j'ai 3 points de vie. Je veux me heal. Il est moi. Please. Non, pas lui. Pas lui. Au revoir. Ah oui. Ça, je prends. Idiot. Il est mort. Il est mort, oui. Paradoxe, mais oui. Il y a quoi ici? Ah, de la vie. Je prends. Ah. Alors, 30 Solari, l'attaque fait plus de... Ah, c'est vrai que je peux la charger. Inflige des dégâts sur la durée cumulable, je prends. Ok.
Ah. Alley Star, un spectacle de magie et de destruction. Un nouveau pouvoir donc. C'est après une avarie technique au pôle recherche et développement que la mort a eu l'idée de composer le sort Alley Star. Orville voulait lui montrer un prototype de faux qui peut se dégainer, se rengainer via une application de smartphone. Mais cela n'a pas eu l'effet escompté. Après un instant durant lequel un bourdonnement strident se faisait entendre, tous les employés de l'étage ont été frappés par un éclair arcanique concentré, les précipitant aussitôt à l'accueil pour remplir leur dossier de décès avec Patrice. Ok. Alors, l'équipement. J'aime bien l'équipement. Quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Des étoiles, je sais pas ce que c'est. Session boss. Ok. Quoi? Il s'est passé quoi? Je me suis tué moi-même, je crois. À cause du pouvoir. Ah, je suis dégoûté. Dégoûté. Zut. Patron, qu'est-ce qu'elle veut? Il paraît que si on lèche le cou d'une licorne, ça a le goût de votre parfum préféré. Oui, bien sûr. Il faut aller faire des photocopies. Allez. Est-ce que j'ai eu... Oui, une clé mort à 5... Oh, j'ai bien fait de patienter. J'achète. Mais est-ce que... Acheter, ça veut pas dire que je l'ai à disposition en fait. Je sais pas. Bon, là par contre, il y a beaucoup de choses. Pour avoir tout le reste. Ça, à la limite. Ah, c'est trop dur. J'ai rien fait tout ça. Alors, on a dit que c'était le local technique. Et j'ai rien du tout là. Je sais pas comment récupérer les choses que j'achète. Je sais pas. Vous aimez mes nouvelles lunettes? Alain Affrelou. D'accord.
J'ai l'impression que c'est un peu généré aléatoirement, mais pas tant que ça pour le moment, je trouve, quand même. Oh. Oh. On va prendre les sorts. On verra bien. Ouais, non, c'est pas si gêné. Ça manque de randomalité. Ça manque de choses de choses générées aléatoirement. Allez, laser. Le décor a changé. Allez, le boss. Sensation boss. Sérieux ? Aïe. Ouais, les costauds, faut vraiment que je les enchaîne. Qu'est-ce que c'est ? Ah, les malédictions. Ouais, d'accord, mais il faut que j'évite le premier coup quand même. Cet étage s'est plutôt bien passé. La chambre forte, on y retourne. Work in progress. Intéressant. Le marteau, le retour. Mais j'aime beaucoup la faux en fait. Attention.
Voilà. Ça s'est plutôt bien passé. En gros, je vais avoir le choix entre des armes et des pouvoirs, si je comprends bien. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? Neutralise, ok. Oh bah tiens, magasin. On l'a pas encore fait, le magasin. Ok, alors. Des promos. Ici, New Year, qui... C'est Marcel. Eh ben, ça fait plaisir de vous revoir, boss. Non, c'est pas un vieux. Il a des poumons. C'est ses bras ou ses poumons? Non, c'est des bras. Ouf, pardon. Ils font un sacré bazar là-haut, non? Vous avez du courage de vous en mêler, dites donc. Enfin, vous avez peut-être envie de regarder ce que j'ai en rayon pour vous changer les idées. Alors. Marcel... Conducteur de food truck, c'est le gérant du snack d'entreprise Marseille, travaillait de son vivant dans une sympathique émission de télé de vulgarisation scientifique. C'est le chauffeur du camion, c'est pas sorcier, c'est Marcel. C'est lui. Ah là là, ça lag dur. D'accord. On va essayer de tenir le coup. Ah là là. Chauffeur du camion, bah oui. Ouais, ça lag sévère. Je finis ce try. Et... Ouais, je finis ce try. Je finis ce try quand même. Alors, qu'est-ce que j'achète du soin ? Ah. Je peux acheter les deux. Mais est-ce que ça c'est permanent ou pas? Mon prisme il a... Oh punaise, le prisme de tout à l'heure il est perdu, il est... Oh mince. Ah, je suis tech. Alors. Ah, c'est super long. Ça me demande du mana par contre ça. Ouais, je suis plutôt parti sur ça. Je peux pas le recycler, hein, on est d'accord, on n'est pas comme dans Dead Cells. Local technique. Allez go, local technique. On approche du point rouge, hein. Ce serait bien d'y arriver. Je le vois avec sa lag, hein. J'ai les alertes. Streamlabs, il est pas bien là. Avant de partir sur Zelda, je vais peut-être redémarrer le PC après. Zelda, c'est à peu dans une heure environ. Je pense qu'il y aura une pause et je redémarre et tout.
Alors, ouh, joli décor. Ah bah ça lag moins. Ça lag. D'accord, ça lag des fois, ça lag... Bon, bah on va faire avec. C'est un boss. C'est pas un boss. Ce Jacques. Maître, bienvenue chez vous, vous arrivez à point nommé. Vos désirs sont des ordres, vous serez bien armé pour le combat. Je n'obéis pas au fléau et je ne reçois des ordres que de vous, mon maître. D'accord. Mais c'est permanent ou pas? Je pense que oui quand même, ça doit être permanent. Oh! 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 Mince! Ah zut! On retient pour la prochaine fois. Orville. Chef, c'est trop cool de vous revoir. Super surprise! Vous vous rappelez la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais tout petit et vous étiez... bref, le taf. Alors, les fléaux ont pris la confiance, mais j'ai développé des trucs super stylés, rien que pour vous. Ah bah justement, tiens. Mais le problème, c'est que... J'ai tout dépensé, en fait. Remboursez-moi! Remboursez-moi. Je suis dégoûté. Alors, Jacques, directeur technique forgeron associé. À l'aube des temps, la mort forgea elle-même sa faux et l'enchanta de ses propres mains squelettiques. Au cours de ses voyages dans les divers plans de l'existence, elle fit la connaissance de Jacques, un monstrueux kiln rempli de lave en fusion. Il accepta de boire un verre avec elle et d'échanger des cartes à collectionner. Jacques était assez content, il pensait qu'il était le seul nerd à jouer aux mille légendes des milliers d'anneaux. Orville, opérateur recherche et développement junior. Orville était venu en stage d'observation à Death Inc. il y a un bon moment pour apprendre le métier de forgeron millénaire avec son arrière-grand-oncle Jacques. Cela ne s'était pas très bien passé, le matériel était compliqué à utiliser et les autres employés de l'entreprise n'étaient pas toujours très aimables avec le chaudron ensorcelé adolescent. C'est le métier qui rentre, grommelait Jacques à ce propos. Okay. Pour l'instant, dans le lore, on a vu tout le monde sauf une personne entre deux là. Je sais pas qui c'est. Côté armes, on a une lance. Les armes, faut vraiment que j'apprenne mieux à m'en servir. La cape, je sais pas quoi faire avec la cape. Je comprends pas trop. Pour l'instant, on a... D'accord. Les lieux, c'est un point d'interrogation. Les ennemis, on en a vu 3, 4. C'est tout. Le didacticiel, voilà, tout ça... ce qu'on a vu au fur et à mesure. Et je le relirai dans mon coin quand même, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations en vrai. Bon, c'est l'heure du boss. J'ai presque toute ma vie. On verra bien. Poste de sécurité, Brad. C'est un boss. Donc les rouges, ce sont des boss. Le hall de l'éternité. Un nouveau lieu. Le hall de l'éternité. Eh bien, c'est là où il y a la madame. Le hall éternel est présent à juste titre dans de nombreux folklores terrestres car il manque la porte d'entrée vers le monde immatériel de... Car il marque, pardon, la porte d'entrée vers le monde immatériel de l'au-delà. Bien entendu, après des éons de guerre, de pandémies et de catastrophes en tout genre, se succédant à la surface, son apparence a bien changé. Pour la mort, tout cela est très vain en ce qui la concerne. Le hall représente exactement ce qu'elle attend d'un tel endroit, un lieu fonctionnel pour le travail de bureau.
La mort ! Qu'est-ce que c'est que cet enfer, Brad ? D'où sortent toutes ces âmes ? Mais, wesh, t'es qui toi, avec ta tronche de boomer momifié ? C'est, je suis ton patron, en fait. Ok. Oh punaise, d'accord. Ok, ok, il me met très très cher, en fait. Moi, je lui fais rien du tout. Très bien. Oui, oui, fais un selfie, oui, bien sûr. Au secours ? Au secours, au secours. Je lui ai enlevé 10%, c'est bien. Lui, il m'a enlevé 96. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des cailloux, je suis mort. Bon, bah au moins, on a vu un boss sur cette première session de Have a Nice Death. Je suis plutôt content. Bonne première session, en vrai. Ah, c'est dommage, je voulais tenir jusqu'à 2 heures de Ice and Ice Death. Bon, j'ai qu'une heure et demie à cause des lags. Mais je pense qu'il va falloir vraiment que je redémarre le PC, par contre. Il va falloir faire ça. Tant pis. On récupère le grimoire, quand même. On parle à la madame. Oh, une quête. Patron, pas trop de bobos, enfin, je veux dire... Je ne veux pas manquer de respect à Monsieur Brad, mais il a pris un peu trop la confiance. Je ne supporte pas qu'on vous agresse comme ça sans raison, ça me révolte. C'est vous le meilleur patron, vous avez tout déchiré aujourd'hui. Aujourd'hui plutôt demain, en vrai. On a un peu plus de lumière ici, c'est pas mal. Est-ce qu'on a des choses à acheter? 89, oh, c'est dommage. Je peux pas trop avancer sur ça. Ah si, peut-être. Je vais peut-être faire le coup de fourreau, coup fourreau. Ça, ça avance. Le reste pas vraiment. Ah, tu es Brad. Bon, au moins on a quand même, on a quand même certaines choses. C'est pas mal. Et les snacks, ça, par contre. Là, je le vois pas trop. Enfin, sûrement dans les prochaines zones. Voilà. On retourne au bureau. Le grand bureau. Regarde-moi cette chaise, ce fauteuil. Ah là là. Si je quitte, ça ramène au menu. Bon, alors, les gens, le temps que ça revient au menu, je pensais aller un peu plus loin en termes de durée de stream sur Have a Nice Death, j'y retournerai la nuit prochaine, mais c'est vrai que ça lag quand même un petit peu beaucoup, c'est dommage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je marque une pause où je vais arrêter le stream, encore une fois, et je reviens vers 5h, 5h30, pour Zelda Skyward Sword. Je pense que c'est le mieux à faire. Et ça me permettra de changer de position aussi, je commence à avoir mal au dos, et de bouger un peu le setup, parce que là je suis sur setup PC, la caméra est là, quand je suis sur la Switch elle est là, et de préparer le truc, le setup Switch pour Zelda. Voilà. Je vous laisse avec cette musique. Twitch, allez sur YouTube si c'est pas fait pour faire des sessions de rattrapage de tout ce qu'on peut faire. YouTube, vous qui regardez en VOD, venez sur Twitch pour suivre les directs et participer, bien entendu. Ça fera un peu plus d'interaction. Tout le monde, vous allez sur Discord parce que on parle de beaucoup de choses sur Discord et toutes les semaines, vous récupérez des jeux gratuitement. Dès qu'on a un bon plan, on vous le partage. Profitez-en. C'est vrai que ça lag pas mal. Twitch, si vous avez la foi, bah, ne soyez pas loin d'ici une heure et demie. Voilà, vers 5h, 5h30, je reviens. Tout le monde, prenez soin de vous. À la nuit prochaine si vous revenez pas tout à l'heure. À tout à l'heure si vous restez. Et YouTube, dans tous les cas, ça sera à demain. Voilà. Cordialement, bisous. Ah, par contre, j'ai pas la souris qu'il faut là. Je vais juste faire Alt-Tab.